Non, la vie de ma mère, je sache qu'il maintenant, c'est bon. Oublie ma pousse à bout. Bonjour. Épisode numéro 8 du Let's Play Eriacraft qui cette fois-ci est parti un petit peu en sucette dans le sens où les joueurs, je ne sais pas pourquoi, dans cet épisode veulent vraiment me pousser à bout. Et on est d'accord pour dire, je pense qu'ils ont réussi puisqu'à la fin je pète complètement un câble à un tel point que je suis obligé d'utiliser le game mode. Donc voilà, je voulais faire une petite intro simplement pour vous dire que je regrette un petit peu tout ce que j'ai fait dans le sens où c'était simplement des joueurs. Bon, certes, qui jouaient très très cancer pour me foutre à bout littéralement. Ils ont réussi, donc voilà, GG à vous les gars, mais voilà, je voulais tout de même vous dire que tout ce que j'ai fait, c'était pas cool, je vous en fais juste une vidéo parce que finalement c'est drôle que je pète un câble. Abonnez-vous, si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait plaisir. Likez la vidéo si vous aimez le let's play, si vous aimez le montage, si vous aimez Eriacraft en général, ça m'aide beaucoup, ça référence les vidéos et tout, c'est cool, donc voilà, bonne vidéo à tous. Je vais faire un VS1, attends, je me TP, je regarde. Il est où? Nique-le. Oh, il a failli de... Eh, vous êtes tous des putains de malades dans cette compétition. En train de l'enculer. Oh là là, oh là là. Oh, c'est terrible, il a break. C'est terrible. Moi, je prends les KB7, mon pote, c'est quoi ce bordel? Ah, il avait un autre casque. Qu'est-ce qu'il est malin? Ça veut dire il a plusieurs P4 sur le nickel. Ça s'est fait pote. Man now. Je me suis fait un putain de bateau, regarde. Je peux dégager n'importe qui au bout de la map. Boum. Arrête frère. Arrête aussi. N'oubliez pas que vous n'avez pas le droit de perdre dans la warzone. Je m'en fous. Y'a mec, y'a des mecs qui essaient de nous carotte. Regarde, ils ont fait un canon. Oh les fils de pute. Moi j'ai eu la perle, mon pote. Là par contre faut reboucher, ils ont fait un trou de ouf là hein. Putain ils cassent les couilles en vrai. De toute façon ça on peut le faire en live après hein. On commence le live, on fait le con, on fait des events, on give un peu de stuff et tout Par contre ça va être un délire hein, de faire la paix en live hein. Déjà que là je te jure j'ai un épisode où on se fait full agresser genre. En plus j'ai un épisode là, c'est avec Toby, du coup je mets 10 ans dans le titre. Ça te dérange pas Toby? Non. T'as quel âge Toby? 7 ans. T'as 12 ans? Bon on dirait que t'as 10 ans, ok ça marche. Ok. Plus la queue, plus la queue. Comme tout quoi vert, oh oh oh. Eh ferme, arrête de faire des trucs comme ça, tu casses les couilles de la vie, mal, t'es trop chiant quand tu fais ça. Mais non, encore, vas-y, je vais prendre. Et ils refont des canons, mec, ils sont trop chiants. Et là, il y a des gros cancers qui tirent au canon dans notre couple, mon pote. Vraiment, ils font des gros trous. Oh, t'es le fort. Putain, le tracker. Oh putain, il va casser les couilles, lui, là. Eh, refais des trous, mon pote. Pourquoi? Eh, refais des trous. Eh, tais-toi. Arrête, fort, commence pas. Putain, va pronostic, mec, ça fils de pute. C'est bon, pardon? Bon, kick le, c'est bon, tout à l'heure c'est pas le bordel. C'est le fort, stop talking. Vite, ma mère, il va ramasser. Je vais ramasser. Attends, mais mec, il a pété tous les coffres. Ah oui, possible. C'est la fac de qui? Je sais pas. Non, c'est la paix voisin, mon pote. Il casse les couilles, c'est des vieux cancers. Mais c'est normal, les gars, vous avez des coffres de banque, pourquoi vous les utilisez pas? Ouais, mais ça c'est vrai, par contre, on a. Et il fait tout pour casser les couilles. Et c'est le mec qu'on a violé genre 40 fois, et du coup maintenant il fait un vieux canon derrière chez nous. Tel fort. Ouais, quoi? Comment tu sais ça, ça fils de. Oh, mec, j'ai plein de choses dans la mer! Il nous attaque. Ils font des canons pour les empêcher. Non. Arrête. Oh, non, franchement, là ils sont en train de casser les couilles. Et faut vite faire la paix, hein, les gars. On pourra pas là. J'ai été au chinois avec Minsko. Tu sais, c'est un chinois illimité là. Mec, il s'est resservi au moins 6 fois, mec. Au moins 6 fois. Et carrément, tu sais qu'il avait un peu honte. Il m'a prévenu avant d'aller au resto. Il m'a dit, ouais, gros, par contre, tu vas voir, moi, les restos limités, je rigole pas, tu vois. Je dis, ouais, t'inquiète. Pomme de terre, du riz et des trucs. To your life, there's no turning back. Salut les gars, il est 1h de l'après-midi. Je voulais juste vous dire que j'ai miné, donc j'ai miné, mais vraiment, mais. J'ai jamais autant miné de ma vie, de toute façon je vais vous montrer. Hop.
Ici c'est tous les coffres, je crois que celui-ci est vide. J'ai tout miné en vanish, voilà, en invisibilité. Parce que je pense que vous l'avez vu avec les let's play petit à petit, que c'était complètement impossible en fait d'essayer de faire quoi que ce soit sur cet AP. Et vous avez vu, à peine je me dévaniche, tu dévaniches quoi, franchement 30 secondes, 30-40 secondes, il y a 4 mecs dans l'AP. Alors je pense que bah, vous comprendrez pour le vanish, hein, j'étais clairement obligé parce que sinon c'est la merde. Attends, tiens une perle, tiens. Inch'Allah. Mais t'es con, il faut. Oh, il nous a poussé, les gars. We'll get high for 27 in the night. Il nous a tous poussé, les gars. Il va s'en aller, les gars. Wow. Wow. Une vieille perle tactico, gros. Une vieille perle tactico. Moi, je m'entends, je m'en bats les couilles. Oh, y'a trop de monde, y'a trop. Non, non, vraiment, y'a trop de monde, y'a trop de monde. Attends, laisse-moi me concentrer, je mange une pomme. Ça prend une pomme aussi, cause on va. Donne-moi une, donne-moi une, donne-moi une. Allez pas dans l'eau, allez pas dans l'eau, parce qu'ils ont les bots. Hein. Ils ont des CPKB, ils ont des CPKB, ils ont des CPKB. Coupé, on les encule, j'en ai marre là, vraiment. Putain, mais on peut le CP, bordel de merde. Mais merde, oh. Qu'est-ce qu'il fait, quoi? On est en train de se faire victimiser dans notre propre AP, s'il vous plaît. Normal, ils sont 6 en haut, ils ont tous les super pouvoirs, c'est même pas. Bah alors refermez, c'est ce que je vous demande. Putain, vous savez jouer en faction, si vous voulez faire un plafond, faites-le, wesh. Ah, puis ils cassent tout en plus, vas-y, ils font des canons et tout. Allez, ça y est, ça. C'est quoi ça? Ça y est, des putains de forcés, un gros, vraiment. Ils sont 20 milliards. Il y a un mec qui est tombé. T'es qui, putain, vieux colis de Dieu, gros, TPO, on peut TPO. Regardez, regardez, ça va aller très très vite, regardez bien. Mais pourquoi, comment ils arrivent à voir? Voilà, voilà, colis stratégique, colis stratégique, colis stratégique. Déjà, colis stratégique. Hein? Mais tu l'as. Colis talent, t'approches, colis talent. Tu l'as. Il va essayer de perdre, il peut pas, ouais. Normalement. Non, mais c'est des 4. Bloque-le, bloque-le, attends. Mais je voulais pas vous sortir, fait sortir, je suis putain. Mur, je suis dans le mur, mec. Mais cassez les blocs. Il y a un mec derrière, mais oui, t'es con quoi. Mais je mais mec, je la casse pas. Mais y'a des mecs qui tombent et tout, y'a des stuff partout là, qu'est-ce qui se passe? Je prends plus rien, gros. Enferme-le. Alors, tu sors du pit, t'es con. Ah ouais, vraiment terrible. Mais c'est quoi, s'entend pas, putain, t'es con. Y'a un vieux viol, mon pote. Il lave les vitres. Et ben pourquoi on ne ferme pas la paix? On a qu'à le fermer. On se fait, oh les gars, on se fait une pioche FI5, vous minez ça en 2,5 secondes, réellement, en 30 secondes, mec. Mais, je savais pas qu'on pouvait miner de la flotte, en fait, mais c'est sympa de m'avoir informé. Je te rends compte. Wouah. Non, la fille de ma mère, je sache qu'il maintenant, c'est bon. Mais ma pousse à bout. C'est quoi son pseudo? Donnez-moi son pseudo. Tiens, fils de pute. Tiens. Putain, mais juste. Vous voulez pas qu'on le. En pire, on ferme la paix tout simplement en fait. On le ferme. Un slash 7 au-dessus là pour les calmer. Oui, un slash 7 de quoi? Oui, un slash 7 ma teub aussi. Mais dis-là, cassez-vous là. Un slash 7, mon pote. C'est bon, j'ai rebouché. En fait, moi je pense j'ai une bonne idée, les gars. Au pire, on les frise tous. Hein. On sait plus, ils peuvent plus bouger, on fait la base. Hein. Il y a un mec qui a sa kirim, il casse les couilles. Hop, c'est bon. Non, mais c'est bon. Ils m'ont poussé à bout. Regarde, c'est quoi? Slash 7, j'aime un. Mais ce il tombe. Voilà, c'est réglé. C'est réglé. Maintenant, je vais supprimer tous les blocs de cobble. Comme ça, on va faire comme si c'était les jeans. Lui, il renvoie depuis tout à l'heure là. Prenez lui, c'est des bots de Sadar à cet enculé. Tuez lui, hein. Ils ont dit, vous voir le dédit, t'as fait un truc. Pourquoi? Oui, j'ai slash 7. Non, mais les gars, s'il vous plaît. Non, mais les gars, c'est la terre. Qui c'est qui a mis de la terre, les gars, s'il vous plaît, putain. Non, mais les gars, c'est pas marrant. Retiens-moi la terre là où on m'a fait, putain. Viens, gros, viens. Gros, après tant mieux qu'on a fait ça, comme ça on va sortir une vidéo. Ah, il connait putain de cam en live. Ils ont fait un trou, Force encore, mec. Mets un tomban à Nian, je sais pas quoi là. Non, bah c'est mode stalker. Toi après, il se barre direct, toi c'est. Non, Misko. Mais on va mettre du fer. Mais y'a pas besoin. C'est simple en fait, regarde, c'est forceur, on peut pas jouer tranquille. Ah, c'est mon jeu de putain. J'ai envie de me suicider, mec. Je l'appelle. J'ai envie de me suicider, j'ai jamais vu des forceurs pareils, mec, vraiment. J'ai fait quoi pour mériter ça, bordel? Il m'a sorti normal, j'ai dormi toute la journée, putain. Toute la journée, j'avais besoin de lui. Putain. Bon, ça se vanille. Mec, Spawn des squelettes. Attends, ils font spawn des squelettes.
Oui. Je te jure, ils sont en train de poser des œufs de squelette là. Mais mec, ils sont 50 factions sur notre turc, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais c'est à cause, c'est la vie mon pote, hein, c'est la vie. C'est ça mon pote, t'es youtubeur hein, c'est ce que je compte. Youtubeur en fait. C'est bon, ça ne l'est pas le bon, mais bon, ça tire aussi.